Meghan Markle et le prince Harry incitent les Américains à s'inscrire sur les listes électorales. La fondation Archewell du prince Harry et de Meghan Markle a publié un communiqué à l'occasion du National Voter Registration Day, le jour des inscriptions sur les listes électorales américaines, organisé le 17 septembre. Voter n'est-ce pas un droit ? C'est un moyen fondamental d'agir sur le destin de nos communautés. À la Archewell Foundation, nous pensons que l'engagement civique, quel que soit le parti politique que l'on choisisse, se trouve à la base d'un monde plus juste et équitable. Affirmait le texte publié sur le site web de l'association. Ensemble, faisons que chaque électeur potentiel soit informé et participe à définir l'avenir de l'Amérique. La publication indiquait également que la Fondation avait organisé une session collective pour adresser des lettres qui encourageaient les électeurs-électeurs à s'inscrire sur les listes, une activité bénévole qui soutient nos communautés. Depuis leur départ pour l'Amérique, le couple n'a pas eu de prise de position politique. Même s'ils ont employé leur visibilité pour sensibiliser le grand public aux causes qui leur tiennent à cœur. Dans une rare interview, Meghan Markle affirmait vouloir employer l'impact de ses choix vestimentaires sur le secteur. Quand il y a une attention sur ce que je porte, alors je vais soutenir des stylistes que j'apprécie. Et des petites marques, émergentes qui ne sont pas encore aussi connues qu'elles le devraient. A-t-elle expliqué New York Times. C'est l'une des choses les plus fortes que je puisse faire, et ça n'implique que de porter une boucle d'oreille.